Mercredi 10 avril 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial ça, n'a présenté en collaboration avec VOA Créole. Mais quel point cap dominé actualité ya, guerre Israël Hamas, yon attaque la mais Israël prend la vie trois petits garçons leader suprême Hamas la Ismaël Haniyeh qui fait annonce là nan moment gagnon négociation qu'a fait pour yon cesser le feu dans Gaza. Dans le pays États-Unis, président Joe Biden accueilli dans Maison Blanche premier ministre japonais Fumio Kishida côté au palais entre autres de technologie et défense. Yon lot boss spécial réunion dans siège organisation américaine OEA dans Washington sous yon conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Oegas dans ambassade Mexique dans ville Quito dans Équateur. N'a viré pour pays d'Haïti, installation conseil présidentiel là toujours dans impasse pendant crise là a aggravé dans pays ya. Yon l'autre bord pendant conseil là dans impasse, chef gang barbecue qui se porte-parole vive ensemble dans cementé conseil présidentiel transition wan, pap ka installé dans tête pays ya. Yon l'autre bord, ancien premier ministre Evans Paul déclaré démarche conseil CARICOM non pas bon parce que gouvernement Ariel Henry a c'est un gouvernement qui démissionnait. Rosemont Jean lui-même qui c'est leader Fonds National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique regrouper plusieurs structures politiques parmi eux parti politique petit diaspora ou projomo dix ministres qui la yo pas gain prérogatif légal pour faire conseil présidentiel retuive reste reportage yo ensemble avec VOA Créole. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 avril 2024. Yon plaisir, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque la mais Israël prend la vie trois petits garçons leader suprême Hamas la, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là nan moment gagnant yon négociation cap fait pour yon cesser le feu nan Gaza. Ici aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais entre autres de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège organisation État américain OEA dans Washington sous yon conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Oegas dans ambassade Mexique dans ville Quito en Équateur. Et puis actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans impasse pendant crise là continue à aggraver dans pays. Et c'est pour ça yo avec l'autre corps nous va le développer pour dans un petit moment merci d'esco choisi VOA Créole pour informer yo et ben visite officielle cap gen la dan dîner d'état dans occasion viré on premier ministre japonais aux États-Unis une visite qui commence jodi a dans la Maison Blanche. On a l'ouest à vivre. Dans la Maison Blanche, jeudi mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevront premier ministre japonais Fumio Kishida qui les gagne avec tout madame ni. Monsieur Biden accueilli avec un pile honneur visiteur Sayo, dans ça un pile monde considéré tant qu'une visite historique. Distinguished guests, the President of the United States. Mr. Kishida, welcome. Président Biden nan non vice-président la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme yon leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Premier ministre japonais bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir nan occasion viré won sa nan moment y a travail sous défense indo-pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que le gouvernement n'a pas prêt pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défi dans le monde. Visite officielle ça à Cap Gen la dan tou yon dîner d'état, c'est occasion pour deux leaders faire appel historique sous histoire et aborder un pile dossier important en cours et stratégie avec défense. Mais tout visite ça a gagné yon l'autre symbole, symbole entre États-Unis et Japon pour alliance que yon gagné qui l'a longtemps. Dans mitan cerisier yo dans mitan cherry blossom dans occasion de partenaires ont tout profité annoncer nouveau partenariat sous programme qui gagne rapport avec technologie exploration spatiale sous la lune avec partenariat sous recherche sous intelligence artificielle énergie propre sans oublier question qui gagne rapport avec
semi-conducteur. Et bien, actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté président Joe Biden, pensait que ça c'est à pour erreur si Israël menait opération dans Rafah pendant ce temps, gagnait leader et suprême Hamas là qui perdu trois petites garçons et puis gagne quatre petites tout qui mourit pendant que ab gagne une négociation qui sous pied pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, par station Univision, n'est que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril là, l'idée États-Unis a exprimé gros qu'elle sautait sous action pour le ministre Israël, Benjamin Netanyahu, à poser dans le cadre de conflit État-Juif là, à groupe Hamas là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement en tant que militaire israélien, été lancé sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden t'a remis pour État-Juif là, proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a porté manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qui a vint là. Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaïl Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort trois petits garçons avec plusieurs petites lits qui périrent en frappe militaire israélien lancée sous Gaza. On remercie bon Dieu pour l'honneur qui transforme trois petits garçons avec divers petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annonce ça étant dans le pays Qatar. Leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petits garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, les négociations ont continué pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza. Et pendant que le président Joe Biden, yon l'autre fois encore, ensemble avec les Nations Unies, l'autre instance, dit que c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que c'est la dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre, c'est et mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité, il y a une spéciale réunion dans le siège des Nations Unies, pas dans les Nations Unies, dans OEA plutôt dans Washington, côté où tu as considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien Georges Glass dans l'ambassade Mexique là dans la ville Quito en Équateur. Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous dossier ça. Jean-Robert, il faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquence. Oui, effectivement, c'est il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans la zone là, les par exemple forces de l'ordre entrent dans l'ambassade qui sont en mission qui est générale d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça que réunion ça a fait. Mais tout et États-Unis et ensemble avec l'OEA, ils ont demandé à ce que les parties concernées, donc Équateur avec Mexique, que chercher une entente pour résoudre le problème diplomatique ça sans pas besoin d'en bouche l'ouvrir. Et c'est comme ça que rencontre qui était faite jeudi, c'était objectif là, tant des parties concernées, tant de l'autre pays et tout. Mais quand on a mis des positions là, et le fait qu'il était entré dans l'ambassade là, il y a des informations que très certainement pays concernés, que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région, pas de gain. Mexique n'a bouche l'ouvrir diplomatique avec Équateur après descente de l'île force de l'ordre été fait dans l'ambassade PIA dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass qui était prend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. L'assalto à notre embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire que c'était une attaque sur l'ambassade. Le gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'a pas senti qu'il gagne support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous pourrons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui t'a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique t'a offert ancien vice-président Glass asile. Président Obrador déplorait position États-Unis à Canada pour façon y réagir après descente de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position de pays voisins yo vague et au pas clair. Mardi 9 avril, les États-Unis ont demandé Équateur pour le travail avec Mexique pour joindre une solution pour chirer pit diplomatique que gagne entre eux. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. Les États-Unis, Jack Sullivan dit, États-Unis condamné événement 5 avril là qui c'est une violation convention relations diplomatiques viennent tant qu'utilisation de la force contre responsable ambassadeur. Nous réviser l'image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y ait là, employé ambassade Mexique là dans Quito, retourner la caillou sous demande autorité mexicaine. Pays membre organisation État américain a rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là dans Quito. Il réitéré l'obligation que tiennent tous les États
de no invocar normas de derecho interno para justificar... Secretario General de la Organización Regional, la, Luis Almagro, declaró que Ecuador debe respetar la ley internacional y su diplomática inviolable. Número 1, l'OEA a ajouté, la ley interna del país no es capaz de justificar el descenso de lugar. Jorge Glass, qui était vice-président en 2013 et 2017, était condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation qu'il était accepté coûte l'argent en battable dans mes compagnies de construction brésilienne Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat au gouvernement. En 2020, ancien vice-président était joué l'autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation qu'il était utilisé l'argent contracté pour te financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Tribunal là a été lagué glace en 2022. Jeudi, elle a fait face avec accusation que l'État a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction province Manabi qui bol en mer après tremblement de terre 2016 là, été dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier. Ça, d'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies. Il y a Rafael Correa, ancien président équatorien, qui lui-même pensait que son kidnapping que vous faites sous ancien vice-président équatorien, et puis il y a Jorge Glass et Diaz, qui c'est petit et garçon ancien vice-président, qui lui-même il dit l'a laissé 2 fois pour loi papale, il n'a pas voulu loi papale, et il pensait que c'est un abus que vous faites sous douane. Vous souvenez au Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités à mener nous qu'on y a dans le pays d'Haïti. Et côté installation conseil présidentiel transition, il est toujours dans le passage pendant que la crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre correspondant nous, Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 citoyens qui pral faire partie officiellement conseil présidentiel transition moun sa yo pou konn pou ki lè yo la puisque mardi soir 9 avril 2024 gouvernement démissionnaire Ariel Henry qui était réuni en conseil des ministres transmet projet accord qui créé organisation et fonctionnement structure ça dans service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet a conforme à loi organique institution l'état yo. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche-là pas bon parce que gouvernement démissionnaire. Car il ne pas comprendre le problème parce que il y a une liste pour dire publier dans le moniteur. Mais il y a un mécanisme pour publier dans le moniteur. Il ne faut pas demander un gouvernement, même s'il démissionnaire, raison plus les démissionnaires pour publier un bagage illégal. Bon, côté parle, Rose Mongeant, qui c'est leader Front National, organisation résistance pour un Haïti stable et démocratique, qui regroupait plusieurs dizaines de structures sociopolitiques parmi eux, Haïti diaspora réunis pour Jomo et divers autres, qui réagit tous sur le dossier ça, dit ministre qu'il a eu pas de prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Pendant ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, a obtenu mise en place officielle conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordinateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique aux Mongeants. Il a annoncé une manifestation contre mise en place et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Villemé, le trouver la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Rose Mongeant qui identifie tête li comme un opposant gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche CARICOM là annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui va venir là pour aller dénoncer démarche si là yo quoi qui c'est une menace contre indépendance pays. Nous dit la CARICOM les États-Unis, la France, le Canada pas gain ça dans attribution puisque yo cap nommer président pour nous pardon cap nommer président pour nous en Haïti et encore plus qui venait avec le conseil créé de 10 moun, de 9 moun, de 9 malfaiteurs. Nous dit, nous-mêmes, nous faisons résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, nous, c'est une menace à la souveraineté, nous. Nous-mêmes, comme haïtiens, personne ne peut arrêter de voir ça, mais nous, pour nous dénoncer et
et a dit tentative qu'a fait là pour vendre pays. Mais stratégie, c'est gonfler force pour nous répondre à toute mobilisation, pour nous casser les bagailles là, pour nous casser la stabilité ça, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaident en faveur avancement mis en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtiens conscients des situations. Je crois que les gens qui soit disant dit au conseil là, c'est pas monde qui sorti en l'air, c'est pas monde qui sorti en France, c'est pas monde qui sorti aux États-Unis, c'est des haïtiens oui. Aujourd'hui, si on haïtien pas conscient de ce qui passe dans le pays là, donc capable de finalement pas haïtien. Moi m'a conseillé que en conseil là, comme pour les jeunes non alternatifs, le consensus, l'entente politique pour permettre de façon à ce que yo doté pays là de un président qui soutient dans le conseil là. Avec conseil là même je ne peux pas dire que je ne peux pas faire pour le pays. Mais moi, comme étant donné que je suis un bagage qui est plus ou moins là, plus ou moins, c'est l'île qui peut parler sur l'île tout côté de la radio. Mais il faut que nous connaissions que le peuple a souffert là. Ok, le peuple a souffert là, pour que nous puissions une solution. Je ne sais pas qui est le cabinet de conseil, je ne sais pas qui est le président. Mais son seul bagage, il a besoin de souffrir. Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaite que le conseil là, pour un résultat, pour population. Face à l'instabilité politique là, qui traînait derrière une augmentation de violence à un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtienne a perdu valeur devant dollar américain. Côté sous-marché formel là, c'est 132 à 133 goudes pour le dollar, alors que sous-marché informel là, c'est 137 à 138 goudes pour le dollar américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci, Massado Vilmé. Pendant que l'installation conseil présidentiel transition lui-même est en difficulté, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là, qui continuent à réclamer pour y aller. Dans le cours de cassation, pour rejoindre un juge qui régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc, ça qui fait que jusqu'à présent, il y a un pile flou dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même, il y a même gardé pour y aller. Et dans quelle mesure que l'installation est capable de faire. Et puis, dans la question gang armé qui continue à cimer l'intérêt, eh bien, il y a Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale à mener pendant le dernier jour que se passait là dans le pays pour faire face à face carré avec gang armé. Nous sommes sur place Yves Manuel dans Port-au-Prince. Direction générale police nationale d'Haïtien présenté bilan partiel intervention et opération li mené pendant période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisi lors d'une intervention conjointe qui fait au cap dans douane et avec appui de agents douaniers. La police a recherché activement Wilman Jean, commissionnaire de douane. Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir carison. Environ 1500 cartouches de tout calibre confisquées. 6 300 000 goudes confisquées. 20 000 dollars américains confisqués. 2 véhicules confisqués. 9 motos confisquées. Gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention et opération de la police. Gagné 16 armes qui saisies. Dont un fusil d'assaut lors d'une opération d'intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui neutralisés par la police lors des champs de tir avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudoune. Monsieur blessé mortellement lors des champs de tir avec la police. La police saisit lors de démonstrations. Un fusil d'assaut. Une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans Japon, Jean-Pierre Anthony, qui continue d'opérer par l'acquis. Monsieur qui fait partie d'un gang qui a opéré dans sa arrière team au niveau Japon. La police procède à l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouque. Bandi a utilisé plusieurs méthodes pour empêcher population à vaquer à l'occupation. Gary Desrosiers continue à demander soutien à la population pour traquer les gangs. Nous avons sollicité à la population dans le travail que nous avons fait. Situation sécuritaire très délicate. Et Bandi a utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population à vaquer l'activité.
et ils tirent tout en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov, et ils utilisent aux armes fin de fois. Opération et intervention police nationale d'Haïtien qui a continué dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et bien, dans le cadre d'opération que la police a menée, il y a été gagné et démolition, plusieurs cailles dans la zone aéroport international là, et côté ça sorti, c'est une compagnie sécurité qui fait et compagnie aérienne exigence. Si pas assez de sécurité, notamment dans la zone aéroport, il n'y a pas capable de bailler assurance et l'État haïtien lui-même est obligé de prendre les mesures nécessaires. C'est ça qui fait que la police nationale a commencé dans la démolition. Mais ça qui passe, c'est que il y a un pile monde qui dit que ou bien Kayo Maké a démoli, ou bien au démoli, mais il n'y a pas de joindre COB et que l'État promet pour que yo crase. Et puis il y a un problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important, n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité, toujours concernant le pays d'Haïti, la Maison Blanche qui a essayé de faire congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui est pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagné tête Kenya. Sandra Lemaire, gain détail. Sous des massacres qu'a fait. Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale, Jake Sullivan, dit journaliste qui m'a dit que l'administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force. Consulting with the Congress to try to unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. L'INAP travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que c'est urgent pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya va diriger en Haïti plus vite possible pour aider à rétablir stabilité à la paix pour nous soulager la souffrance du peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider à stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan soulignait que les États-Unis mettaient programme en place pour aider Haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Didi, nous pourrons continuer à pousser pour pied devant avec programme SAYO. Didi tout, États-Unis ouvert porte pour Haïtiens qui ont couru pour les actes violence gang, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Lidi assistance historique n'a pas pour Haïtiens qui a couru pour violence là ou bien qui a échappé à bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui viennent aux États-Unis, nous a continué faire ça. Sullivan répétait que cause principale situation Haïti a, c'est insécurité a. But the root of all of this, of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas qu'à circuler librement dans le pays, ni choisir qui côté vous voulez aller, c'est insécurité et instabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider à rétablir stabilité pour toute activité continuer à dérouler grâce à une force multinationale. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit administration Biden a cherché support démocrate coup républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur fait connaître, c'est chaque jour conversation ça y a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Donc, nous capable de voir le dossier Haïti tout partout, que ce soit dans l'OEA, que ce soit dans les Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche, qui eux-même a penché sous le dossier ça. Pendant ce temps, nous connaissons que le Conseil et présidentiel transition lui-même est toujours dans la difficulté pour l'installer avec toutes les confusions qui gagnent dans la question légale et autres n'absurdes pour. Mais malgré ça, et sécurité et violence gang, Nations Unies, avec tout partenaires et local et international, rivaient distribuer aide humanitaire by moon qui n'a besoin. Nous parlons dans New York avec Valérie Saint-Louis. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Il a rapporté que gang Kounia contrôlé environ 90% de Port-au-Prince et a lancé attaque chaque jour dans la capitale.
Selon Nations Unies, violence gang yo te forcé 53 000 moun ki te ville là. Gros coup de zam kap tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pi fo boutique ak bizis yo fermé depuis le plus passé yon mois. Nan yon l'autre partie nan ville là, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe, boule caoutchouc et puis bloqué la ria pendant que y a essayé faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie processus politique là. N'a rappelé que messieurs Amé ont boulé commissariat la police, ont été l'ouvri coup de zam sous principal aéroport international là qui était fermé et puis ont été envahi deux plus gros prisons en Haïti et ont été libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapporté que jusqu'à date 22 mars là plus passé 1500 moun t'est mouri et yon lot 17000 moun t'est obligé courir quitter caillou à cause violence gang yo. Dans mitan tout désordre ça yo, travail humanitaire yo aplité pour offrir service clé de base yo, tant qu'ou soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là, World Food Program, continue faire distribution manger ensemble avec partenaire local et international yo, yo bay yon plat chaud chaque jour, yo distribuer plus passé 22 000 repas chaud by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, organisation internationale migration ensemble avec partenaire yo, te distribuer 132 000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitain Port-au-Prince là. Système soins santé en capitale a été très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang yo. Partenaire humanitaire continue à supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile yo, toujours dans centre déplacement yo et puis yo bay équipement médical ak fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné yo. En dehors Port-au-Prince, dans l'autre département, opération humanitaire Nations Unies a continué. Organisation World Food Program a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école Lio. Et puis tout, yo bay famille, yo ti tchotcho transfère l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après yon rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes active moun en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gen pou souffrir malnutrition aiguë ak yon sou 4 timoun kap souffri de malnutrition chronique. Avec aéroport international la ki fermé, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete yon défi, mais Nations Unies dit que la continue fourni aide ak support que le capable à travers agence ak partenaire yo ki sou place. En pile moun gen gwo krentif pou ke sauf si sécurité a ta vin rétabli, situation ka vin pi grave toujou et ti aide que population a recevoir li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gen glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gen impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre et glorieuse Nelson. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité grand goût rasait pour ne citer ça seulement à tailler banda sous population. Une situation qui a des conséquences sur Haïtien en dedans ou dehors pays. Quelques Haïtiens nous rencontrés dans Brooklyn, New York, exprimaient qu'ils sautaient à clapérez yo gagné les yap garder sa cap passer dans pays yo. Nous t'ai parlé avec Edine Celestin, qui c'est un militant droit monde qui t'est obligé quitter Haïti ça gain 4 l'année. M'pa pral di qu'on vit même niveau stress ensemble avec monde qui vit sous terrain parce que yo nan bagala chaque jour, mais ou gon stress qu'on vit en permanence, on appelle que ou raté un monde que ou relé que ou pas joindre, en situation que ou tande dans radio et que ou imaginé. Et ça qui est difficile là c'est que ou obligé vivre dans réalité pour la tout dans quotidien ça ou pas carré pour dire pas pour le travail parce que Haïti pas bien ou pas carré pour dire comme sa situation abdominaux ou pas faire activité chaque jour c'est quoi vivre avec un stress et obligé fonctionnel même Jacques militant droit monde là Steven Baboun qui c'est un artiste et photographe haïtien expliquer j'en ai gain anxiété il passe journée là informer à travers réseaux sociaux à divers autres sites qui pas information fiable. Les conscients cependant que les gain privilèges pour déconnecter les pas gain force encore alors que compatriotes nous sur terrain a vivre dans mitan des blousailles là c'est pays gain famille gain amis anciens professeurs collaborateurs collègues gain tout monde moi aussi Haïti yo donc qui gens m'ta fait craser habitude ça les dur me sentir très inutile ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas gain pas un impact immédiat, impact là pas assez. Et me sentir très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, c'est un sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Sous Bopal, Judith qui c'est un marchand qui est installé dans une zone Church Avenue avec 18th Street dans Brooklyn, racontait nous que business y prend coup. Madame Silla vend toute qualité produit qui était consorti directement à Haïti, mais depuis passé un mois,
pièces marchandises par entrée. Donc là, son gros crise lié pour moi-même, lié affecté moi parce que c'est de ça me vivre, c'est commerçante moi et bon carême n'a passé la blanche. Pas gain pour la France, pas gain pour la vête, pas gain la bapin. Rien, pas gain dion dion, rien pas entrer. Même là où du Haïti gain problème, toute loi va le cacher. Toute loi va le cacher. Ou pas ka faire rien. Et de l'île moins vive. Vous comprenez? Malgré l'inquiétude d'Akla Perez, l'intervenant a expliqué nous qu'il voulait rester quoi dans un des mêmes milieux pour Haïti. Glorieuse Nelson, pour VOA Creole, Brooklyn. Merci, Glorieuse Nelson. Nous sommes pour contact là avec Port-au-Prince, qui fait nous connaître que eh bien, grand pile monde en bas la ville, dans la zone rue pavée, rue de la Réunion, rue des Miracles, qui continue à quitter Kayo à cause bandits qui prend toute zone yo et gen moun chan mastou yo capable wè la fumée kap monter nan zone et nan zone cité soleil. Donc ça veut dire que gagne en pile activité violence qui continue à marquer la vie pays. Mes amis, merci pour attention, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci Nelson, merci Jean-Marc Hervé Abelard, merci et gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Lebelizer, souhaitez nous passer une bonne soirée et puis nawè demain.